Salut, c'est PL Cloutier. C'est la saison des bals de graduation qui commence. Et dans mon cas, le bal de graduation, ça a été aussi satisfaisant qu'une épilation à la cire chaude, une sangria sans glaçon, un French sans Olivier Dion. Aussi bien dire que j'en porte encore des séquelles. Mais aujourd'hui, je veux régler une grave erreur du passé et je vais renouer avec mon destin de reine du bal dans tes dents, Sarah Maud. Ça fait que j'ai vu sur la chaîne de Catherine Francoeur qu'elle avait commandé des robes à petit prix sur plusieurs sites internet pour les essayer. Ça fait que j'ai fait la même chose. Je me suis commandé des robes de bal à moins de 40$ sur Amazon et aujourd'hui, je vais les essayer avec vous et peut-être enfin récupérer ce qui m'est dû depuis toujours, la couronne de reine du bal. C'est la première fois que je me commande des robes. Ça devrait quand même rassurer quelques personnes. Ce qui fait que je savais pas quelle grandeur il fallait que je commande. Donc, j'ai pas pris de chance, j'ai pris des 12. C'est-tu grand? C'est-tu pas grand? Je prends même pas ça de souliers. Fait que, en tout cas, j'ai commandé des 12. Alors... Wow! J'en ai une bleue, une verte et une rouge. Et ben, je pense que je vais commencer dans cet ordre-là parce que j'ai... aucun doute que chacune de ces robes va être ravissante sur mon corps. Alors, je vais commencer par cette petite robe bleue. On la présentait comme une robe de soirée. Le nom de la robe, c'est Kiss Moda Woman Evening. Ben, je suis obligé de dire que le tissu est quand même de qualité. Celle-là, je l'ai payée 37,99$. Et là, je suis en train de réaliser que ce sera vraiment pas simple de l'enfiler parce que j'ai personne avec moi ici pour m'aider à faire les zippers en arrière. Alors, je vais prendre une gorgée de bon verre de vin. Mmh. Et je vais tout de suite aller enfiler cette robe Kiss Moda. Mon Dieu, c'est sûr que je vais troubler mes voisins. Et voilà la première robe! Mon Dieu, c'est ridicule. J'espère qu'en ce moment, mes voisins ne me voient pas. Parce que c'est sûr que la première impression dans mon nouvel immeuble, c'est raté. Bon, alors, voici cette magnifique robe Kiss Moda. Là, je vais faire comme les vraies vlogueuses mode. Je vais vous décrire cette robe. Alors, elle a du tissu dans le bas qui laisse paraître la jambe, mais de façon très coquine et pas vulgaire. Il est possible de marcher avec cette robe. Aussi, j'aime beaucoup la couleur bleue. Bleu comme l'eau d'un lac l'été. J'aime aussi beaucoup le tissu de cette robe qui est extensible. Il est extensible. Extensible! C'est un tissu formidable comme ça. Quand à ton bal, tu vas avoir mangé tout ton repas de poulet sec servi en dessous d'une cloche pour faire cute, ben ton tissu va pouvoir suivre tes ballonnements et être extensible. Aussi, j'aime beaucoup l'épaule qui a une petite bande rugueuse pour pas que ça tombe et que t'aies l'air d'une charrue. Alors voilà, c'était la petite robe bleue Kiss Moda. Vous me direz ce que vous pensez de ce premier look dans les commentaires. Mon Dieu, j'étais un peu trop dans le personnage de la vlogueuse mode. OK, alors nous allons maintenant passer au deuxième look. Pour vous présenter ce deuxième look, je vais garder ma robe Kiss Moda parce que je l'aime de plus en plus. Et je vais passer à cette petite robe verte que j'ai payée 36,99$. On la décrit comme une robe vintage 1950 Polka Dot and Solid Color Prom Dress Cap Sleeves. Dante dans la vlogueuse mode. Mais voyons. OK, mais ça, c'est vraiment immense. C'est sûr que celle-là va me faire. C'est une robe qui est dans un tissu assez peu doux. Elle est pas douce. Je pense que ce serait parfait pour jouer un personnage dans la pièce À nos pignons verts. As-tu une robe verte? Je sais pas. Alors, je vais tout de suite aller enfiler cette robe de look vintage polka.
Je sais pas pourquoi, on dirait qu'avec la robe au look vintage, je me sens coquine. J'ai envie de faire des mauvais tours. On dirait vraiment une robe de tannante. Mais j'aime beaucoup la coupe. Elle est bien serrée aux épaules. Si vous avez une poitrine aussi généreuse que la mienne, vous allez peut-être avoir besoin d'une push-up bra. Il y a beaucoup de tissu ici. Je suis pas certain que c'est le look que ça prend pour aller au bal, mais je vois plusieurs avantages à porter cette robe. Comme, par exemple, vous allez matcher avec quand vous allez pogner votre date en train de frencher une autre fille à l'après-bal. Vous allez être verte de jalousie. La pointe-tu? Aussi, ce que j'aime, c'est cette petite boucle ici qui aide à avoir l'air plus mince, mais aussi qui peut être idéale pour étrangler votre cavalier quand il est en train de frencher une autre fille à l'après-balle. Alors, c'est à vous de vous prononcer. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette robe au look vintage? Moi, je l'aime pas. On va passer au troisième et dernier look. Pour le dernier look, chevirez fou, j'ai dépensé 34,99$ pour une robe rouge fatale. Il s'agit de la Owen Woman's Vintage Elegant Floral Lace High-Low Swing Party Bridesmaid Dress. Super! J'ai tout d'abord été séduit par tout ce détail de dentelle. Regardez le travail. Alors, je vais tout de suite aller enfiler ce look de femme fatale. C'est mon look femme fatale, la robe la plus sexy de tout le look vintage floral. J'ai l'impression d'être Angelina Jolie ou quelque chose. Jusqu'ici, critique mode, je pense que c'est ma robe préférée. Vous trouvez pas que j'ai l'air d'une reine du bal avec ça? Je trouve que c'est celle qui épouse le mieux les courbes de mon corps. Aussi, ce que j'aime beaucoup de cette robe, c'est que c'est une robe qui va t'obliger d'aller au bal accompagné parce que tu seras jamais capable de la mettre seule. Ça m'a pris 15 minutes de faire le Moses de petits boutons dans le haut. J'étais après péter ma coche. Aussi, ce que j'aime beaucoup de cette robe, c'est qu'elle est bien ouverte dans le dos. Comme ça, si t'as chaud en dansant, tout le monde va voir que t'as le dos tout mouillé. Aussi, le fait d'avoir les épaules aussi dénudées, ça fait en sorte qu'on va tout le temps voir dépasser ton étiquette, puis tout le monde va le savoir que t'es une maudite cheap, puis que tu vas aller retourner ta robe le lendemain du bal. C'est peut-être pas mon choix préféré, finalement. Alors, j'ai hâte de savoir dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette robe numéro 3, le look vintage floral. Oh mon dieu, cette vidéo-là est vraiment bizarre. J'espère que ma mère va pas la voir. Wouh! Donc voilà, c'était j'essaie des robes de bal à moins de 40$. Rendez-vous sur mon compte Instagram pour me dire lequel de ces trois looks vous avez préféré. Et puis dites-moi dans les commentaires ici si vous aimeriez que j'essaie d'autres robes tout seul à la maison par un après-midi de semaine pendant que tout le monde est parti travailler. Vous me direz si ça vous tente dans les commentaires. OK, salut! Ça, c'était bizarre.